Hey, salut à tous, bienvenue dans cette petite news concernant la mise à jour sur Call of Poopy. Alors je vais essayer de faire des news assez rapides pour pas y passer 3 heures. Dans cette mise à jour, vous aurez droit à deux nouvelles quêtes, des nouveaux objets, notamment des coquillages en fait qui permettent d'être vendus pour se faire de l'argent. La possibilité d'acheter un briquet pour s'éclairer dans les zones sombres, donc un briquet qui a une durée de vie aussi, donc possibilité d'acheter des recharges pour le briquet. J'ai également implanté un système judiciaire, alors je sais pas s'il y était dans la dernière mise à jour, en tout cas là il est complètement fonctionnel, donc ce système qui rentre en compte lorsque vous volez des légumes par exemple, il est possible de se faire embarquer par un gentil gendarme et vous vous faites enfermer, je vous en dis pas plus, je vous laisse la surprise. J'ai également corrigé des bugs et apporté des optimisations un petit peu partout. Alors voilà pour l'essentiel des nouveautés. J'ai également vu que certaines personnes avaient commencé à faire des petits let's play sur ce jeu. Alors j'ai trouvé ça vraiment cool. Donc pour ceux qui me l'ont demandé, oui, vous pouvez faire des let's play sur ce jeu sans problème. À condition évidemment de mettre un petit lien vers ma chaîne, ce que je trouve tout à fait normal. En passant, je recherche aussi un graphiste ou dessinateur numérique pour réaliser le background de mon écran titre. Donc là, cet écran titre qui a été mis à jour dans cette version également. Mais si le cœur vous en dit, vous êtes libre de créer un écran titre comme vous voulez. Alors ne vous prenez pas trop la tête non plus pour le faire, hein, c'est pas une obligation évidemment. Si vous avez du temps pour dessiner quelque chose de sympa, vous me le proposez. Puis moi évidemment je vous recontacte si ça m'intéresse. Alors si jamais vous voulez m'envoyer justement ces écrans titres, vous avez mon adresse email juste ici. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour cette news. Continuez à me rapporter les bugs que vous pouvez trouver dans le jeu. Je vous souhaite un bon test à tous et un joyeux Noël et une bonne année au cas où on se revoit pas d'ici là. Ciao ciao, à bientôt.